suis contente de pouvoir visiter Berlin et de rencontrer des jeunes comme vous. Il y a quelques années, j'étais à votre place. Donc c'est toujours un petit peu émouvant. Pardon, mais je suis très contente et très émue de retrouver des gens qui parlent le français, qui aiment le français autant que je l'aime. Alors, vous avez dit que vous êtes allé en France ensuite, après votre scolarité. Donc, qu'est-ce qui vous a donné envie d'aller là-bas ? J'étais dans une école française, donc très très tôt, depuis la maternelle, on a appris le français, on a la culture, la littérature, l'histoire. Je suis passionnée d'histoire française. On a été un peu programmés en étant des petits Français. Donc, mon disque dur, là, est français. Donc, même si partout où je pars dans le monde, la première langue que j'ai envie de parler, c'est le français, je pense toujours en français. Donc, c'était pour moi naturel d'aller en France après le lycée. Vous croyez que vous avez un avantage parce que vous êtes allé sur un lycée français ? Oui. Un très grand avantage. Donc, aujourd'hui, j'ai l'occasion de rencontrer beaucoup de gens de partout dans le monde parce que je voyage beaucoup à cause de mon travail. Et on peut se rendre compte, par exemple, dans le domaine de la recherche, dans le domaine du travail, des affaires, le modèle d'éducation français, la manière, justement, cette manière de s'intéresser à tout, à la fois aux techniques, aux mathématiques, aux sciences, mais aussi le fait de s'intéresser à toutes les cultures, à l'histoire, et aussi aux langues étrangères. Et c'est justement cette capacité à combiner tout, à s'intéresser à tout en même temps, et pas être dans l'hyperspécialisation dès le plus jeune âge, dès le collège. Et ça, c'est vraiment un avantage qui me sert tous les jours. Par exemple, je fais un doctorat, mais je dois beaucoup rédiger. Donc l'écriture, la langue, le style, c'est très important. Les langues étrangères, ça sert partout, parce qu'on est toujours en déplacement. Donc moi, je suis très fière et je suis très reconnaissante de tout ce que j'ai pu apprendre dans le lycée français d'El Jadida, parce que c'est là que tout a commencé. C'est là qu'on a acquis la curiosité, l'amour de la langue, l'ouverture vers l'autre. Tellement de choses qui servent aujourd'hui tous les jours. Alors, merci. Merci à vous. Merci beaucoup.